Allez, salut à tous et salut à toutes sur le stream. C'est parti pour cette nouvelle saison du DWGP. Ouais, bien compris. Ah non, il y avait tout le monde, il y avait même des traits qui volaient quoi. Allez, on est parti pour cette première qualif de la saison Q1 du Grand Prix, du British Kart Grand Prix. Alors, circuit très court, on va avoir avec a priori 3 secteurs. On va voir les temps, premier secteur directement. Jérémy en 12.7, Siron 13.3. Voilà, c'est pour l'instant Jérémy. Allez, fin du premier tour pour Jérémy en 47.8, 842. On va voir les premiers temps de Siro, 50.056 à 2 secondes 2. 1 seconde 1 de retard pour Mathieu Duff, deuxième maintenant en 1 seconde 009. On va voir les temps très rapidement de tout le monde. Jérémy qui fait un largement moins bon premier secteur que le tour précédent. On va voir dans un instant s'il y a des améliorations. On va aller sur Duff éventuellement pour l'instant. En attendant les premiers secteurs. Voilà, Duff a amélioré. Mathieu également. Mathieu également. On va directement sur Mathieu en troisième. Sur troisième position pour l'instant de cette Q1. Ouais, beaucoup de lag chez Mathieu. Alors Mathieu va-t-il améliorer? Il est pour l'instant troisième. Non, il reste troisième. Il reste troisième. Alors, le premier secteur, 13.5. On est largement moins bon là du coup. Zonkyo, record personnel, il passe 9e. Allez, Mathieu, nouvelle tentative. Pour essayer d'aller chercher Duff en deuxième position. Amélioration personnelle, deuxième secteur en 22.4 pour Mathieu. Allez, dernière ligne droite. Et Mathieu deuxième, 48.032. Oh, et Duff. Duff a pas l'air trop mal. Ouais, mais il est passé, il est toujours troisième malheureusement, alors qu'il avait fait un très bon deuxième secteur. Mathieu, record absolu. Dans le premier secteur. Allez, le deuxième secteur en vue pour Mathieu. 22.4. Encore perso pour Malfi. Alors, va-t-il encore améliorer ? Il améliore encore, 47.942. Du coup, il est 7ème, il est en train d'améliorer. Il est 7ème, il reste 7ème. Alors, du côté de Zonkyo, on reste 10ème pour l'instant. Allez, on va peut-être aller voir ce qui se passe du côté d'Eltrist. Il est 5ème pour l'instant. Il a amélioré son premier secteur. Il reste 5ème. En 4ème, on a Will qui a amélioré ses deux premiers secteurs. Alors, on va pas se fier hein, au coup de lag de Will. Will est 4ème. Il est 3ème maintenant, 48.438. Voilà pour l'instant, on va se mettre sur Mathieu. Oh, Mathieu, meilleur premier secteur absolu. Il est à 1/10 de Jérémy pour l'instant. On va aller voir de son côté. Oh,
Ah, la deuxième secteur franchie pour Mathieu. Oh, et Jérémy qui a également amélioré. Alors, ça joue à très peu, mais Mathieu est en position de force. Il a amélioré le premier, le deuxième secteur. Il n'est qu'à un dixième de Jérémy. Il est toujours deuxième, mais il a battu son record personnel. Oh, et Jérémy, là, est en train d'abattre un à un, les meilleurs secteurs. Il va peut-être creuser l'écart sur... Oui, 47.483, il creuse l'écart. 4 dixièmes d'avance maintenant sur Mathieu. Allez, du côté de Malfi. Allons voir du côté de Malfi qui est 9ème actuellement, mais qui a amélioré ses secteurs. Est-ce qu'il va pouvoir améliorer là, 24.2. Ça se stabilise là, on n'a plus vraiment de... Il est 9ème Malfi, il reste 9ème. Alors pour l'instant on n'attend rien de Jérémy, non il est très loin. Duff fait toujours 4ème, S24 reste 8ème. Zonkyo va améliorer, il passe 8ème. Eltrist reste 5ème. Pour l'instant, plus beaucoup de records de secteur. Allez, peut-être du côté de Cool. On va aller voir du côté de Cool qui est actuellement 7ème. Il en termine avec son tour. Siro, amélioration. Il passe. Oh, et Duff passe 3ème. Oh là là. Ouais, on a des améliorations partout là. On a des améliorations partout. Du côté de Zonkyo. Zonkyo va en finir. Est-ce que Eltrist va repasser? Il repasse 5ème, oui, et Siro est 6ème maintenant. Alors, c'est un peu la folie là, je dois bien vous le dire. Non, oui, il reste 4ème. Alors on voit le classement général. Zonkyo encore amélioré, S24 également. S24, il est 9ème. Il est dans son dernier secteur. Passe 8ème. Est-ce que Zonkyo va pouvoir lui refaire l'appareil derrière? Non. Non, non, il reste 9ème. Et on n'améliore plus. Du côté de Duff, en 3ème, on a amélioré son premier secteur. Oui, Duff a amélioré, mais reste 3ème. 5 dixièmes d'écart. Hein. Les deux devant sont enterrés là. S24 est 8ème. Il reste 8ème. Je vais essayer, je promets rien. Pas d'amélioration pour Mathieu. Pas d'amélioration pour Will non plus. Ça lag beaucoup du côté de Will. Allez, Zonkyo qui est 9ème, qui a amélioré son premier secteur. Meilleur passe en deuxième.
Il passe 8ème. Zonkyo. Allez, Mathieu, améliore. Premier secteur en 12.5. Record absolu. Non, pas d'amélioration. Alors, que va faire Jérémy ? 13.5, il est très loin. On est en 12.7 là. Pour Mathieu. Alors, Mathieu qui a 2 dixièmes de retard sur Jérémy. Effectivement, un tour pas terrible pour Mathieu là. Ça ne passe pas. Duff améliore. Eltrist améliore aussi. On va voir ce qui se passe en cinquième. Eltrist reste cinquième. Ça joue coude à coude là pour... Oh, et Jérémy qui est en train de faire claquer un bon temps. On va aller juste après sur Jérémy du coup, parce que Duff et Siro peuvent améliorer, il me semble. Et Jérémy améliore en 47.349. Ouais, Siro, record personnel également. Mathieu également, 47.589. Mais alors Jérémy est à 240 millièmes d'avance maintenant. Il a également amélioré. Eltrist est passé 5ème. Ça va améliorer, quoi. À combien là ? Par l'amélioration. Ça fait combien ? Attends, je te dis ça. Ah putain. Ah et Duff qui s'est loupé. Duff qui s'est loupé. Siro améliore encore. Siro est 6ème. Siro est 6ème. Ah, Siro améliore mais reste 6ème. Allez, du côté de S24 du coup. Qui a amélioré ses deux premiers secteurs. Il est 9ème actuellement. Il est 8ème, il est repassé à nouveau devant Zonkyo. Eltrist est 5ème, reste 5ème. Alors on va voir. Les premiers temps des premiers secteurs. Qui améliore ? Personne n'améliore pour l'instant. On va peut-être aller un peu du côté du favori. Qui a passé le premier ? Qui approche du deuxième secteur ? On n'a plus d'amélioration là. Mathieu passe au pit. Allez, du côté de Will, pourquoi pas. On a un meilleur deuxième secteur. Il a amélioré son deuxième secteur. Il est quatrième pour l'instant. Il reste quatrième. Allez, Duff, Siro également améliore. Il fait 3ème pour l'instant. Et les dons ont amélioré. Duff et Siro, mais seulement leur premier secteur. Duff va sans doute ouais, rester 3ème. Siro 6ème. Encore perso pour Duff, hein, néanmoins. Oh là oui. Alors, où en est-on au côté premier secteur ?
Non, on n'a plus d'amélioration. J'hésitais entre finir et aller au stand. Eltrist, record personnel, 5e. Oh, SV Jérémy qui a coupé. Tour terminé pour Jérémy. C'est compliqué à cet endroit-là. Les 24 s'est également loupé. Et non, c'est terminé pour les 24. Jérémy est au pit. Allez, il reste 4 minutes dans cette Q1. Pour l'instant, on s'oriente vers un podium. Jérémy, Mathieu, Duff. Mathieu qui a pris très large dans le dernier virage. Dernier gros virage, puisqu'il y a le léger droit avant la ligne droite. Pas d'amélioration pour Mathieu. S24. Alors, où est S24 du coup? Ouais, il a pris le mauvais sens. De toute façon, où il est quatrième? Il va rester sans doute quatrième. Oui, voilà. Allez, Mathieu. Mathieu, qui est bien là, en 12.5 dans le premier secteur. Record absolu. Alors, peut-il aller le chercher? Il a 240 millièmes de retard, 24 centièmes de retard sur Jérémy. Non. Pas de record pour Mathieu, pas de record personnel en tout cas. Alors, on va voir les premiers temps de Mathieu et de Jérémy du coup. 12.6, il a moins bon. Voilà, il rate un peu son premier secteur. 12.6 également pour Jérémy. C'est pas ce truc en plein milieu, c'est pour ça. Allez, il reste vraisemblablement 3 tours pour chacun des pilotes pour améliorer. Mathieu n'améliore pas. Jérémy améliore de 7 millièmes. 47-342. Alors, voyons. Où en est-on? 13.1 pour Duff dans le premier secteur. Bon, on va rester avec les deux pilotes. Mais a priori, Jérémy a relâché son effort. Mathieu non, 12.6 dans le premier secteur. Mais pas d'amélioration hein, au niveau des deux premiers secteurs, donc ça va être compliqué. Non, pas d'amélioration. Et c'est terminé pour Mathieu. Siro, record personnel, mais reste 6e. Allez, il reste précisément 1 minute. Voilà, 1 minute. Il reste 1 minute. Allez, encore un bon temps peut-être pour Jérémy. Ouais, et terminé pour Duff. Oh, excellent deuxième secteur pour Jérémy. Un très beau virage là que vient de prendre Jérémy. Il améliore encore en 47-318. Il enfonce le clou. Et où il reste quatrième. Et on va rester du coup sur 7 ans. Voilà. Les chronos de cette Q1. Oh, la prochaine. Peut-être, si. Oui, il y a...